Hello Isami, bienvenue dans le vlog numéro 9, oui. Non, vous ne rêvez pas, je suis réveillée la journée. C'est hyper magnifique, feu d'artifice. Ma batterie a plus de batterie, j'ai plus de batterie, caisse de batterie. Pour un coup que je vlog. Du coup je vlog avec mon téléphone. Ah, aïe. Mais la qualité elle est passée de tout à... Oh. Aïe, oh, c'est pas possible, regardez pas mon lit qu'il est pas fait. Pourtant on est la journée hein. Je me mets dans un coin de ma chambre où il n'y a pas de lumière. C'est magnifique, oh là là, tous les livres que j'ai. C'est quand même quelque chose. Ah mais on voit pas du tout, enfin c'est dur la vie. Bref, tant pis. Aïe, mes boutons ils font mal. Mais pour un coup j'avais envie de vlogger, ça n'arrive qu'une fois tous les... Jamais. On est le... Ah. On est le... Putain, ces chiffres ils sont vraiment mis n'importe comment. Mais on est le 9! On est le 9! A knife! Let me see what you have! A knife! No! Et voilà, je vais put on make-up. Bref, on est le 9. Je suis en train de stressouiller parce que je crois que je n'ai pas de contenu pour les deux jours après celle-là. Comme d'habitude, hein, what is new? Nothing, because. Je suis toujours en train de stresser over my contenu. Je suis en train de regarder des vlogs masse d'autres gens. Et ils sont ma foi très intéressants. Not like me. Et donc du coup ça me... Hein, figurez-vous que j'ai mon fond de teint, c'est le seul qui me va parce que hein, comment vous dire qu'il y a beaucoup de choses à cacher. Je l'ai depuis 3 milliards d'années mais là il commence à rendre l'âme, il n'y en a plus. Et j'avais prévu de m'en racheter un mais c'est la peau des rouleaux. Ah! Je ne veux pas fontayer mes cheveux. Je vais sur le site de MAC, à ne pas confondre avec Apple. La meuf elle rigole, ces blagues là. Et en fait finalement j'ai acheté un cadeau pour Iman et je me suis pas acheté de fond de teint. Donc vous aurez droit à ma vieille tête sans fond de teint pendant un petit moment parce que ben voilà. Priorities. Je sais pas pourquoi je tire mon oreille là comme ça fait mal. Un petit ok. Ah oui, au fait, j'étais en train de lire le Sloane Kennedy et je crois que je sais pourquoi je l'ai pas lu. Enfin, en fait, je l'ai pas lu, mais je pense que... ouais, parce que je vous avais dit, c'est le seul de Sloane Kennedy que j'ai pas lu. Mais c'est le seul que j'apprécie pas. Enfin, que... Enfin, pas que j'apprécie pas hein, non plus, mais que je trouve qu'il est moins bien que les autres. Et donc, peut-être que mon cerveau le savait quelque part. Et donc, il est en mode, non, celui-là, on le lit pas. Pour ceux qui connaissent la saga, c'est celui sur Roman et Hunter. Gatou qui va beaucoup trop vite, je suis à... Franchement, en deux jours. Alors que j'ai déjà lu des nouvelles d'elle où voilà, ça se faisait en deux jours aussi. Mais bon, ça avait le mérite d'être des nouvelles, quoi. Mais là... Où est mon cache-bouton? Petit. Ah, il est là. Ta-ta-ta-ta. Faudrait que je fasse mon lit un jour, mais tout le monde sait que je ne le fais jamais. Sinon, à part ça, je suis en train d'essayer d'arranger les pubs sur la chaîne. Parce que vous savez qu'ici, on parle beaucoup d'argent. Parce qu'on en a pas beaucoup. Et oh là 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 là, comme ça change tout. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que, genre, j'essaie de changer le truc des pubs. Je vous regarde pas, désolé, mais je fous. Vous avez une option dans YouTube où vous pouvez en rajouter. Gna 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 gna. Et j'ai remarqué que ça change tout. Et j'essaye du coup de trifouiller tout ça. Je suis désolée si ça vous embête du coup. S'il y a trop de pubs ou je sais pas quoi. Mais genre ça change tout. Et ça pourrait faire que après je pourrais ben, déjà rembourser le matériel que j'ai acheté. Enfin là je suis avec mon téléphone. Et le matériel que j'ai acheté pour faire beaucoup de tubes. Et bref, je pourrais m'acheter plus de livres. Plus on est de fous, plus on rit. Plus de livres que je ne lis pas. Tout ça pour vous dire que ça a tout changé. Et j'étais... Oh! Vu que moi je suis pas Elsa Makeup et je suis pas... je sais pas qui vous regardez mais bref. Je suis pas fait mousse donc j'ai pas de partenariat. Enfin les partenariats livres c'est en mode ils vous envoient les livres et ils sont très contents de vous avoir envoyé les livres. Ils trouvent que c'est un cadeau formidable et, et c'est vrai que oui hein, c'est formidable. Mais les gugus de make-up là ils ont en plus des partenariats en mode bah, ils sont payés pour faire de leurs vidéos en fait sur BookTube. Moi j'ai presque ouais j'ai jamais vu ça parce que je suis pas les gens qui sont famous sur BookTube, je sais pas qui c'est mais bref il n'y a pas trop ça et donc je suis en train de faire mon sourcil comme ça
parce que je vois rien. Et donc tout ça pour vous dire que du coup les pubs etc, c'est votre seul revenu, n'est-ce pas? Bah j'ai remarqué qu'en fait oui, ça change tout quand tu rajoutes rien qu'une seule pub, bah ça double le bidule chose. Donc si vous voulez, si j'avais genre 10€ par mois, à 10€ par mois seulement, maintenant j'en aurais 20. Et donc j'essaye de bidouiller ce truc de pub. Et puis sinon, à part ça, je sais pas si vous... Bonsoir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai de plus en plus de boutons. Et en plus, ils sont tous sous la peau et machin. Et je tiens à vous dire que le seul truc que j'ai changé dans mon mode de vie, c'est que maintenant, je mange des fruits et des légumes. Donc quand je vous dis que c'est mauvais pour ma santé, I wish I was joking. Je vous jure, à chaque fois que je me mets à manger des légumes, ça part, tout part en cacahuète. Vraiment. Le seul truc que j'ai changé, c'est qu'en ce moment, je mange des haricots. Je suis à fond dans les haricots, je sais pas pourquoi. Et depuis j'ai 40 000 boutons en plus donc. Mais je vais vite retourner à la charcuterie. Non, en vrai non. En vrai j'aime pas trop la viande mais. Et donc je suis en train de regarder des vlogs là. Enfin ce matin je me lève et je regarde des vlogs. Je regardais les vlogs de Witty Novels. Donc une fille, une américaine. C'est dur de parler quand tu fais ça. Une américaine qui s'appelle Whitney. Et je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Elle est en train de faire ses vlogs et tout, et elle travaille et tout. Et genre, ses vlogs, c'est je vais au travail, je fais ça au travail. Enfin, en fait, ils sont trop bien, genre, ses vlogs. Et elle a eu un moment, elle a eu une phase où elle était plus sur YouTube parce qu'en fait, elle trouvait pas de travail et elle était trop pas bien. Et elle était chez elle, elle faisait rien et tout. Maintenant qu'elle a un travail, elle vlog et je suis archi morte parce que les moments où elle avait pas de travail, c'était grave ma vie. Et elle s'est dit, je vais pas vlogger parce que c'est tellement nul. Et moi j'ai aucune honte. Que à chaque fois dans ses vlogs on la voit sortir, voir des amis et tout machin. Et je suis là, ah c'est donc ça la vraie vie. Country late. Donc du coup moi je suis là. Barbecue sauce on my titties. Et donc je me suis rendu compte que c'est pour ça que mes vlogs ils sont pas intéressants, vous voyez. C'est parce que bah je fais rien. Je pense que vous le saviez hein, mais moi ça m'a frappé ce matin. J'étais ah c'est donc pour ça que j'arrive pas à faire du contenu. Les gens me disent ah bah on aime bien quand même. Hein? Ah pas non plus hein? Si vous aimez bien, vous aimez bien hein? Hier j'étais chouque parce que genre j'étais en train de regarder la story de Pikiti. Et donc Pikiti Booking sur On Here on Booktube hein. Et grave ma queen et tout. Et genre elle est en train de faire sa story dans le plus grand des calmes. Et tout à coup je vois sur son écran d'ordinateur, je vois ma vieille tête dans mon lit, tu sais. Ma vieille tête dans mon lit genre en mode caca boudin là. Et c'est là, c'est là que tout à coup, je me suis rendu compte que bah, les gens regardaient mes vidéos. Et donc, j'ai pleuré. Non, j'étais un peu chouque. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent sur leur télé et je suis... Ah. Et oh là là, ça m'a chouque hier, j'étais ah bon. C'est quoi cette vieille tête de cette meuf affalée dans son lit? Bah, it's me. Et d'ailleurs, puisque ma famille regarde, hein, représente, je leur ai dit d'arrêter, mais ils me respectent. C'est pour ça que j'ai eu une crise de panique, genre quand hier, avant-hier, avant-hier, un certain quelqu'un dans ma famille, qu'on ne nommera pas, m'a dit « Ah bah je regarde tes vidéos !» Et j'ai dit « Ah bah can you not, can you stop ?» Et ils ont dit « Ah bah non !» Et j'étais « Ah bah je suis triste !» Et ils étaient « Ah bah on s'en fiche !» Et donc « Ah bah j'ai pleuré !» Ça sert bien à grand chose de se créer un pseudo et nanini nanania, hein, quand en fait on vous trouve au bout de 2 jours. Hein, crise de panique, hein, magnifique. Mais au final, c'était parce que j'étais fatiguée plus qu'autre chose. Et je m'en bats un peu les steakos. Vraiment, parce que je trouve que je suis fabuleuse. Et donc si ça leur plaît pas, c'est la même chose. Ah ah ah. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie comme ça. RT6, c'est triste. Je sais pas pourquoi je me maquille, hein, parce que qui va sortir? Pas moi. Mais bref, bienvenue dans ce tuto make-up, je me plains. Ouais, et aussi en regardant les vlogs de Whitney, j'ai vu qu'elle... genre, elle avait reçu un paquet de sa wishlist. Et qu'elle l'avait emballé dans un paquet cadeau de Noël. Et j'étais... Oh, c'est trop mignon. Parce qu'après, elle le laisse sous son sapin, puis elle va l'ouvrir à Noël. Et puis j'étais... Ah, bah moi déjà, j'ai résisté. Donc peut-être que je vais en ouvrir à Noël. Et après, j'étais... Ah, je vais faire pareil, je vais emballer et tout, mais... Meuf, t'arrives même pas à faire ta déco de Noël, à quel moment tu vas emballer tes cadeaux? Et donc c'était une idée hein, sinon. Bon bref, clairement j'ai rien à vous raconter et ce clip ne sert à rien, ça fait déjà 25 minutes que je dis rien.
Donc je vais vous mettre le reste du make-up en accéléré, hein, et je vous dis à plus dans le bus, parce que là juste après ça je vais aller monter ma vidéo, enfin une vidéo, je sais pas laquelle, mais voilà. Et je sais pas quel jour on est déjà, donc. Et puis c'est tout, voilà, à plus dans le bus. Mon mascara, ah. Voilà, c'est-il pas un peu mieux? Si, on va dire que si. On dit que si, allez, on dit que si. Bref, je m'en vais monter à Vlogmas parce que je suis dedicated to this channel. J'y mets tout mon cœur et tout mon temps libre. Donc c'est parti, au boulot, l'astico. Le voilà. Voyons voir. On avait combien déjà? 9. Alors, tout l'aïeau. 9. Tu te rappelles le calendrier? Ah, ça y est, il se rappelle. Les gens, ils ont dit il lui faudra un calendrier après Noël, il va être triste sinon. Non, mais il est assez gâté hein, toute la nuit. Pas de soucis. C'est encore du bœuf séché, il va. Il va nous piquer une crise là, il va être trop content. Oh là là. Ah, il a du mal à focus. Oh non. C'est du bœuf, mon kiki. Oh là là. Moi d'abord et après j'ouvre le tien. Oui. J'avais le doigt sur le micro tout du long, mais bref. C'était une luge. Une luge de Noël. Oui. Et oh. On rôte pas comme ça. T'es déjà en train de rôter, tu crois que t'as pas assez mangé? Allez, le moment le plus... Ouh. T'as entendu, c'est pété la gueule. Le moment le plus intéressant du vlog. Tu l'as entendu? Il est tombé. Ah. Attends, assis. Ah, assis couché. Ah et oh. Dis, tu restes assis. Voilà. Là. Couché. Dis. On met du temps. Voilà, c'est tout. Upu date, il est 13h, nous avons mangé encore des haricots, c'était caché, oui je sais. Moi quand j'aime bien un truc, je mange ça tout le temps. Et alors, je suis encore en train d'éditer, en train de montager, je fais que ça de ma vie. Et je viens de recevoir un colis, et apparemment c'est de ma wishlist, il faut attendre le 25. Et sinon j'ai sorti mon papin. Donc ça avance, peut-être va-t-elle faire les décorations de Noël aujourd'hui, peut-être. Ça y est, on y est les gars. Enfin, mais c'est qui a fait ça encore? Je me demande trop ce que c'est. Vous êtes type 1 un peu zinzin, 5 vu que j'ai ouvert celui de Hamal parce que j'ai pas eu la patience. Je regrette maintenant, mais mais en fait je regrette pas parce que je suis contente de l'avoir ouvert. Bref, voilà, je vous laisse, je continue à éditer. Allez, à plus dans le bus, enfin à tout à l'heure de toute façon, dans le tracteur parce que je suis en forme aujourd'hui, c'est parti. Better than words. Doudou. Doudou. Le vlog est en train de charger sur YouTube. C'est parti, déco de Noël. C'est parti. En fait, faut déjà que je fasse du rangement parce que j'ai pas assez de place pour tous mes livres parce que j'ai trop de livres. Mais c'est parti. Je vais mettre des vidéos YouTube et c'est parti. C'est tellement le cirque, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Va-t-elle pleurer d'eau? Peut-être. C'est parti pour le petit montage. Oh, je suis fat, tiens. C'est parti pour le petit montage en accéléré de moi qui range des trucs. You are welcome. Thank you.
J'ai des boules. Bref, c'était la blague du jour. Bonjour. Voilà, pour l'instant on en est là. Voilà où on en est et je vais m'arrêter là parce que je vais paniquer. J'en peux plus. Mais bref, le papin est fait. Bon, je crois que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. La fatigue arrive et est bien présente. Il est 17h30, oui je sais, mais avec il fait nuit là. On dirait qu'il est 22h, j'en peux plus. Donc j'ai fait de la bouse, hein, mais j'ai fait un petit peu. Et je pense que je continuerai demain parce que franchement, voilà, déjà je vais pleurer beaucoup parce que l'anxiété se fait sentir. Ma chambre est sans dessus-dessous, donc je pense que je vais pleurer et mon papa il va m'aider à ranger. Voilà, c'est comme ça que cette journée va se terminer parce que gaieté. Voilà. C'est le gros cirque, c'est le gros cirque, il y en a partout, il y en a sur mon lit, voilà. Je vais pleurer. Je pense que c'est tout pour cette journée numéro 9. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, mais je pense que je vais continuer ma super déco. C'est pour ça que j'avais du mal à la faire, hein, c'est parce que c'est long et stressant. D'ailleurs, je pense que si mon papa y rentre et il m'aide à mettre la tapisserie, j'aurai peut-être la tapisserie demain. Bon. Papa, tais-toi! Bon, voilà, on a fait une petite avancée. Oh, j'ai shooté dans un paquet. Bref, voilà, il y a des petits rennes qui descendent du ciel. Il y a le papin. Il y a le village. Tout ce qu'il faut. Le papin de Noël. Le bookshop. Le théâtre. Et je sais plus ce que c'est, le magasin de jouets. Voilà. Et avec la lumière. Voilà, c'est pas magnifique. Voilà, c'est Noël. Oh là, c'est encore le cirque, mais demain. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye.